Au début, ça a été assez compliqué parce que il a fallu, enfin, j'ai cherché sur LinkedIn et dans la fonction publique ou dans la politique, c'est pas facile de trouver. Et après, j'ai attendu les offres de l'ESSEC et j'ai trouvé Fiona Lazar. Je pense que c'est important, en fonction de chacun de nos responsabilités, qu'on prenne sous notre aile des élèves qui s'intéressent à nos métiers. J'ai été très surprise par les horaires et l'agenda très dense de Fiona. Par exemple, elle a fini à 1h du matin lundi. Oui, alors l'emploi du temps, je crois que c'est ce qui a beaucoup marqué Camille, c'est qu'il est très dense et surtout qu'il est très changeant et qu'il faut être capable d'être très flexible parce que souvent on a plusieurs réunions au même moment, donc on est obligé d'arbitrer ou de se diviser, de participer à un morceau de réunion puis à un morceau d'une autre réunion. Mais oui, c'est le lundi et le vendredi en circonscription, donc à Argenteuil dans le Val d'Oise, et le mardi, mercredi, jeudi plutôt à l'Assemblée nationale. À Paris, on a une réunion encore demain dans un ministère. Donc voilà, c'est ça aussi le travail d'un député. La prise de parole en public, le management d'équipe, la force de conviction, de persuasion, de jamais baisser les bras, une forme de leadership, tout ça, je pense que quand on passe par une école de commerce comme l'ESSEC, on se forge à ça et je crois que c'est bénéfique pour une carrière politique. Ma plus grande surprise lorsque j'ai pris Camille sous mon aile, ça a été de voir son engagement et sa curiosité. Elle m'a posé beaucoup de questions et toujours des questions très pertinentes et qui me permettent, un, de lui répondre, mais lui répondre, c'est aussi, moi, me poser des questions et me réinterroger finalement sur ma fonction, sur la façon aussi dont fonctionne l'institution. Et donc, avoir quelqu'un de jeune comme ça qui arrive, qui découvre avec son regard neuf, ça permet de se poser des questions, de se les reposer. Et je crois que c'est toujours bien de se reposer les questions et de se remettre en question.